Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre journal créatif de la semaine. Alors cette semaine c'est le numéro 65, voilà. Fifi, hein, bien sûr, comme d'hab. Alors, c'est mal barré aujourd'hui, je le sens. Aujourd'hui, donc le numéro 65, et j'en profite d'abord pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés à ma chaîne cette semaine. Voilà, j'espère que vous vous y plaisez et que vous aimez les vidéos que je fais. Comment se passe mon journal créatif? Eh bien, le journal créatif de la semaine, je vous montre tout ce que je fais en créatif, voilà. Donc, sur la semaine, ça peut être, c'est principalement de la broderie. Et il y a du tricot, il y a du crochet, des fois, il peut y avoir du coloriage, il peut y avoir du DP, ça dépend. En sachant que, bon, le DP, en ce moment, il y en a pas, je suis pas motivée en ce moment pour faire du DP. Bon, ça reviendra. Alors, sur ma semaine de, je suis désolée mais ça a du mal à sortir aujourd'hui. sur ma semaine, alors il y a 2 jours sur la semaine où c'est des choses qui ne vont pas bouger, c'est-à-dire le lundi, c'est la broderie du lundi. Donc là, je prends une broderie qui est soit presque terminée ou soit ça fait longtemps que je suis dessus, ou alors que ça fait longtemps que je n'ai pas été dessus. Voilà. Et il y a également le mercredi, où là c'est le HAED du mercredi, donc je prends un de mes HAED que la roue me choisit et je travaille sur ça toute la journée. Voilà. Petite semaine. Petite semaine. Et je m'aperçois que j'ai oublié de prendre quelque chose. Alors, je fais déjà pause. Mais pour vous, c'est tout de suite, je vais le chercher. Voilà, c'est fait. oui, je disais petite semaine. Cette semaine, par contre, vous ne verrez pas de tricot. Pas de tricot, pas de crochet. Je n'ai absolument pas eu le temps de mettre mes mains sur mes tricots cette semaine. J'en suis désolée, bon, surtout pour moi. Oh, j'ai dû me faire piquer à ma jambe. Ouh, ouais, je me suis fait piquer et ça picote. Ouais, donc j'ai pas pris mes tricots ni crochets, j'ai pas eu le temps. Et puis le soir, j'étais vraiment très fatiguée. Bon, ça y est, je me rattraperai la semaine prochaine. Alors du coup, on va voir quelle longue. Bon, quand je vous parle tricot, souvent ça dure pas très longtemps. Donc, ça ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence sur la longueur de la vidéo. Voilà Fifi qui commence à faire. Je monte, je descends, je monte, je descends. Ça y est, t'as fini. Alors, cette... Non, Fifi. Bouge-toi. Alors, cette semaine, il y a eu... une finition, voilà. Bah, de toute façon, si vous me suivez, vous savez déjà à peu près de quoi je parle. Il y a eu une finition et il y a eu une toile de terminée. Voilà. En ce moment, ça va. Je termine régulièrement des toiles, ça, c'est pas mal. Alors, la roue m'avait... Alors, je fais d'abord des obligatoires, des broderies obligatoires, c'est-à-dire les broderies obligatoires, c'est... Je me répète beaucoup, là. Non, on ne montre pas ses fesses à la caméra. Non, mais... ouais, les broderies obligatoires,
Allez, bouge, 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 maman. Merci. C'est les duos, les trios, les salles, voilà. Alors, en obligatoire, il y avait le sampler 124 que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Il y avait mon Lily Point Chat que je fais avec Céline, le Star Dragon d'Old Forest que je fais avec Letty, le Languedoc Sampler que je fais avec Fifi, que je fais avec Sonia, donc de la chaîne que je viens de vous dire, Diamant Rose. Je fais avec Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread et avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Je vous remettrai bien sûr toutes ces chaînes en barre d'infos, hein, comme je fais tout le temps, pour que vous puissiez aller les visiter. Ensuite, il y avait également la demeure de charme que je faisais, que je fais avec Amélie, donc de la chaîne Dazing et Diamant. Ça, on va en parler. Ensuite, il y avait le sal que j'ai mis en route cette semaine. Ouais. C'est l'ABC d'automne. Voilà, c'est une broderie de poussière d'étoiles. Donc, ce sal, je le fais en partenariat avec Sabine. Et puis, c'est tout. Voilà. Déjà, pour les obligatoires, c'est déjà pas mal. Il y a par contre deux obligatoires qui rentrent dans, qui rentrent déjà dans cette rubrique, c'est-à-dire le HAED, le hibou du savoir. Moi, je ne donne pas le nom en anglais. Et le Black Rose de Old Forest. Voilà. Donc ça, c'est deux nouveautés qui sont rentrées cette semaine dans mes obligatoires. La roue m'avait choisi, alors, les hérons de chez Lanart, le hibou, donc c'est une broderie qui m'a été offerte par une abonnée, mon Lily Point, je suis désolée, hein. Ça a du mal ce soir, le Lily Point infirmière, voilà, l'orchidée de chez Lanart, et le HAED de la japonaise, ça c'était pour le HAED du mercredi. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour au niveau du tirage au sort avec la roue. Vous allez pouvoir voir que j'ai rajouté des choses et il y a des choses que j'ai pas faites. Mais voilà, bon, je vous dis, ma semaine a été un peu chaotique. Au niveau de mon emploi du temps, tout ça, bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Une finition. Alors, vous savez, je vous l'avais montré la semaine dernière que j'avais terminé de broder ma grenouille de poussière d'étoiles. Voilà, c'était fait. Fifi, bouge, s'il te plaît. Voilà. Et elle est finie. Voilà. La finition est faite. L'encadrement est fait. Donc, je vous ai fait une vidéo tuto pour vous montrer comment j'avais encadré ma petite grenouille. Voilà. Et vous avez été beaucoup à aimer. Que ce soit sur mon Instagram, sur le groupe... sous la vidéo également que je vous avais fait, donc vous avez, beaucoup d'entre vous ont aimé, même à toutes, à 100%, vous avez aimé ce que j'ai fait. Voilà, donc je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'accrocher quelque part, ou je ne sais pas encore, mais cette semaine, je vais l'accrocher au mur. Voilà. On va la mettre en dessous sur la chaise.
Donc, je suis contente. Grenouille, fini, terminé. C'est fini. Ensuite, je vous ai dit que j'avais terminé une broderie. Alors, c'est une broderie qui n'était pas prévue cette semaine. Et je l'ai ressortie. Quand je vous dis je l'ai ressortie, c'est vraiment ça. Parce que c'est une broderie que j'ai commencé il y a plusieurs années. Je crois que ça doit faire au moins 5 ans que je l'avais commencé. Pourtant, elle n'est pas grande. Hein. Mais ça y est, elle est finie. Je l'ai terminée cet après-midi. Donc, du coup, elle n'est pas encadrée. Hein. De toute façon, là, je n'ai pas de cadre pour elle pour l'instant. Donc, elle attendra un petit peu pour son cadre. C'est un modèle de Isabelle Vautier. Voilà. Alors, normalement, c'est un monochrome en rouge, mais moi, j'ai préféré faire les personnages. Alors, je n'ai plus la référence du orange des personnages, mais et le marron, le marron, le marron, le marron. Ah, ben, je l'ai plus là non plus. Ah, ben, je l'ai rangé. Bon, je suis désolée. Voilà. Alors, il y a des petites erreurs dessus, mais en plus que les erreurs ont été faites il y a longtemps, hein, et ça se voit pas. Oui, vous voyez? Non? Alors, tant mieux. Bon, sauf celles qui connaissent vraiment bien la grille, elles pourraient voir où il y a des erreurs. Mais alors, la seule erreur qui peut se voir, c'est ici. Le personnage est un petit peu plus bas que le décor en marron. Normalement, ça devrait être exactement la même hauteur. Hein? C'est ma petite touche perso, hein, de toute façon. C'est ma petite touche perso sur mes broderies. Hein. C'est très, très, très rare qu'une de mes broderies n'a pas une petite erreur. Donc, voilà. Mais là, je suis contente. Alors, la semaine dernière, c'est la semaine dernière, ouais, quand je l'ai ressortie, je vous en avais parlé quand même. Et je vous avais dit, il n'y a que trois lettres. N'y a pas que trois lettres. Il y a tout l'alphabet. Ah, je vous jure. Vous voyez, il y a tout l'alphabet. Et moi, je vous avais dit, non, il y a ABCD. Donc, quatre lettres. Mais non, il y a tout l'alphabet dessus. Voilà. Non, mais je l'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir finie. Alors, celle-là, je l'avais fait sur une Aïda 7, marbrée grise, un peu gris, ouais, gris. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lui trouver un joli cadre. Alors, tout à l'heure, je l'ai montré à Chouchou et ça, il me dit, ah, il dit, c'est bien ça. Il dit au moins quelque chose qui est beau. Bon, il blaguait, hein, je vous rassure. Mais non, il préfère que les broderies comme ça, quand même. Mais bon. Non, mais elle est chouette. Voilà. Alors, tout à l'heure, je dis, ah, ça va, il n'y a plus que le point arrière. Enfin, il n'y avait plus que le point arrière. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Là, vous voyez, le marron. Donc, il y en avait là, il y en avait en bas, là. Et il y en avait ici, quelque part. Ouais, là. Vous voyez? Je fais, bon, c'est bon, il n'y a plus que le point arrière. Mais bon, je dis, je vérifie quand même avec la grille et tout, avec la pochette. Avec le dessin, donc c'est celui-là, voyez. Vous voyez le personnage, c'est à la même hauteur et moi, il n'est pas à la même hauteur. Mais bon, pourquoi j'en sais rien. Mais c'est pas grave parce que même les deux pieds, hein, sont pas comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une jambe plus longue que l'autre, sûrement. Mais bon, ça se voit pas. Ouais, alors je vérifie, j'ai bon, je regarde si tout, j'ai fait, parce que comme il y avait beaucoup de lettres, tout, je regarde si j'ai rien oublié.
Et je m'aperçois, j'ai mince, j'ai encore plein de petits cœurs à broder. Alors j'ai brodé, il me restait 4-5 cœurs que j'avais pas brodé, mais des tout petits, vous voyez, comme ce genre-là. Attendez, ici, vous voyez, dans le B, voilà. J'en ai rebrodé un ici, j'en ai rebrodé un là, je crois. Puis encore un quelque part, je ne sais plus où. Oh, il y a des poils à fifille. Voilà. Non, mais je suis contente. Malgré mes erreurs, de toute façon, elle est très belle. C'est fini. Youpi. Alors, du coup, j'ai fait. Je l'ai fait en deux fois cette semaine. Je travaillais deux fois dessus cette semaine. Donc, en tout, j'ai fait 3, 4, 5, 6 en croix. Plus ou moins 6 en croix pour le terminer. Voilà. Je suis contente. J'aime bien qu'en ce moment, j'arrive à finir les broderies. On se sent plus léger, c'est mieux. Alors, hop, on va mettre ça ici. Voilà, petit crayon pour faire une croix sur ce que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, bon, je vais prendre en suivant, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais c'est pas très grave. J'ai avancé un peu, alors ça, je l'ai avancé un peu aujourd'hui, mais j'ai pas avancé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai surtout fait donc mon Isabelle Vautier et j'ai donc travaillé un peu sur celui-là. Donc, je vous remontre le dessin. Voilà. Être infirmière, c'est guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours de Louis Pasteur. Et donc, je vous avais dit, je fais cette broderie-là pour offrir à mon infirmière qui vient pour nous faire des piqûres, les prises de sang, tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai terminé le R qui est ici. J'ai fait le E et j'ai commencé le fond du prochain R. Voilà. Et puis là, le M, j'ai vu qu'il manquait, j'avais oublié une ligne, donc je l'ai faite. Voilà. Vous voyez, bon, j'ai pas fait grand-chose, mais. Alors, de loin comme ça, on ne voit pas beaucoup le beige, mais de près, si, hein, il se voit bien. Puis après, il y aura le R en couleur qui sera dedans. Donc, on verra encore mieux. Là, je le fais sur une toile étamine 12,6 fils. La couleur, normalement, c'est la couleur café. Voilà. Bon, je veux qu'elle soit finie avant Noël, mais. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là, j'ai fait plus ou moins 250 croix. Ça va. Ensuite, suite. Ah, je vais vous parler de ça tout de suite. Un abandon. Je suis verte, mais alors. J'étais en colère et j'ai dit bon, je l'abandonne, je le referai, mais pas tout de suite. On va digérer avant. Donc ça, c'est un duo que je fais, enfin que je faisais du coup avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. C'est ma demeure de charme de poussière d'étoiles. Alors, je vous explique. Vous vous rappelez que j'avais démonté toute cette partie-là, donc 1000 points au moins.
plus ou moins, je ne sais plus. Donc j'avais tout démonté, j'ai tout rebrodé. Donc jusque-là, ça va. Et j'ai commencé à broder l'intérieur de celle-ci. Et quand j'ai démonté là, j'ai oublié qu'il fallait que je démonte les deux lignes là. Je devais les démonter, je les ai oubliées. Ce qui fait que, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, les fenêtres noires, c'est quatre lignes, hein, quatre lignes verticales. Là, c'est bien, j'ai mes quatre, mais là, si je le fais, j'en ai que trois. Du coup, je suis obligée de tout redémonter encore, donc toute cette partie-là, sans oublier les deux lignes-là, pour moi le refaire. Mais là, pour l'instant, non. Faut que je digère là parce que là je vous jure que j'ai les boules, j'ai pas envie de perdre la toile non plus, donc je vais redémonter donc ces deux fenêtres parce que du coup il manque une ligne là, mais ça décale tout le reste d'une ligne. Et comme le dessin, je vous remontre pour ceux qui connaissent pas, c'est rectiligne. Voilà, il faut absolument qu'il n'y ait aucun décalage. Il n'y a pas de bidouillage possible sur ce modèle. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, Amélie, elle m'a dit c'est rien. Elle, du coup, elle va faire le sien à son rythme, un petit peu à la fois. Mais bon, quand j'aurai moins les boules. Ben, je vais redémonter ces deux fenêtres là, enfin toute cette colonne là entièrement, et enlever les deux lignes qui sont là. Alors ce qui est embêtant, bon embêtant non parce que c'est pas du fil d'IMC, donc c'est pas très grave, et puis moi j'en ai en stock, si je tombe en panne ça me fait perdre du fil, parce qu'en démontant de toute façon le fil s'abîme, donc on ne peut pas le récupérer. Mais voilà. Ah, j'ai les boules. Quand je me suis aperçue de ça, je me suis engueulée moi toute seule. Je vous jure, je me suis. Je dis, mais c'est pas vrai. Je dis, pourquoi j'ai pas retiré ces deux lignes. Et encore, j'étais pas obligée de retirer les deux. Hein. Je retirais celle de l'intérieur et après j'en rebrodais une seule à l'extérieur. Mais là, bon, du coup, je suis obligée quand même de tout démonter parce que si je décale d'une ligne, là, j'ai besoin de quatre lignes blanches. Mais si je décale, j'en aurai plus que trois. Donc, ça, pareil, ça n'ira pas. Donc, voilà pourquoi il faut tout démonter. Ouais, je sais que certaines d'entre vous m'ont dit « Oh, essaye de bidouiller, tout ça. » Mais non, ce modèle-là est impossible à bidouiller. C'est pas possible du tout. La maison, elle va être bancale, donc c'est pas la peine. Donc, c'est un abandon, mais provisoire. Je le reprendrai, hein, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, on va digérer. on va digérer pour... voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne vais pas en ranger la pochette. Je vais tout laisser comme ça dans la pochette. Et dès que j'ai le courage, je vais enlever. Et après, je referai un petit peu à la fois ce modèle. Alors, j'avais quand je me suis aperçue qu'il y avait encore une erreur, j'avais déjà brodé... près de 160 croix. Bon, c'est pas énorme, hein. Heureusement, je m'en suis pas aperçue, mais quand même. Donc, voilà. Et celle-là, donc, c'est un abandon pour le moment. Mais je la referai. C'est sûr que je la referai un jour. Il n'y a pas de problème. Une petite soif.
Voilà. Post-pipi pour les poilus. À tout de suite. Voilà, ça y est. Le petit pipi est fait. Alors, si vous entendez du bruit, j'en ai profité pour mettre mon lave-vaisselle. Je me suis aperçue qu'il n'y avait plus beaucoup de vaisselle pour demain. C'est surtout les verres, les tasses. Pourtant, on n'est qu'à deux, hein. Des fois, Chouchou, il me dit, mais on est à combien dans la maison? Il n'y a plus de verre, il n'y a plus de tasse. Je sais pas, moi. Allez, ici, c'est le sale que j'organise donc en partenariat avec Poussière d'Étoile. Alors, oui, je ne sais pas comment ça va aller au niveau du montage de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai monté une vidéo, j'ai voulu en monter une deuxième, j'avais encore des problèmes. Je crois que c'est le logiciel de montage de vidéo qui doit déconner. Donc, si jamais vous voyez que je ne vous mets pas les photos avant, vous savez, là où j'en étais la semaine dernière, tout ça, ben, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai eu un souci avec le logiciel. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est un logiciel que je paye à l'année, mais je crois que je ne vais pas le renouveler. Il va falloir que je m'en trouve un autre qui soit un peu plus performant. Mais celui-là, c'est le Movie Maker, mais la version payante. Mais il déconne. Je crois que je vais repartir sur Power Director ou je sais pas, ou autre chose. Si vous montez des vidéos, profitez pour me dire qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel. Voilà. Parce que là, ben, je ne vais pas continuer si ça continue à bugger comme ça à chaque fois. Bon, allez, je referme les parenthèses. Mais c'était pour vous dire, ne vous inquiétez pas si vous voyez. Oh, Marc, on veut toujours m'embrasser. Si vous voyez que c'est pas comme d'habitude ma vidéo. Voilà, mais je fais au mieux. Voilà, donc l'étape 1 du sale ABC automne de poussière d'étoile, donc que j'organise. La première étape est terminée. Oui, vous avez vu, je suis à jour sur une étape. C'est des petites étapes, donc ça va. Donc là, on peut encore le broder jusqu'au 10 novembre. Parce que je vous avais expliqué, bon, il y a des filles qui avaient acheté la box, et il y a des filles qui ont acheté la grille. Mais la grille, donc les box, c'était entre le 1er et le 5. Et le temps qu'elles le reçoivent, bien sûr. Mais les grilles toutes seules en PDF, c'était à partir du 20. Donc, si je laissais le même laps de temps, les filles qui vont acheter que la grille, elles auraient eu moins de temps. Parce qu'il aurait fallu quand même qu'elles préparent leur toile, leur fil, tout ça. Donc, pour la première étape, j'ai préféré rajouter des jours. Mais là, je vais faire peut-être un sondage demain pour savoir si tout le monde a brodé ou s'il y a encore des filles qui n'ont pas terminé. Et comme ça, je verrai si je réduis la première étape ou si je la laisse comme ça jusqu'au 10. Alors, voilà. Un vrai petit bonheur à broder. Alors, bien sûr, j'avais fait une erreur. Bon, pourtant, je fais attention, hein, mais c'est vrai que je fais plusieurs choses en même temps. Je brode, il y a la télé qui fonctionne. Je regarde, je continue à regarder sur mon ordi pour voir s'il y a des messages, tout ça. Je vous réponds. Et puis, des fois, bah, je fais pas attention. Et donc, il y avait un petit décalage. Donc, j'ai dû démonter trois lettres et j'ai refait. Voilà. Mais là, c'est bon. Enfin, si, encore un tout petit décalage, mais là, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le sais. Enfin, vous aussi maintenant, mais il n'y a que moi qui le sais.
Donc voilà, donc le 10 novembre, on commencera à broder la deuxième étape. Voilà. Non, mais c'est un vrai petit bonheur à broder. C'est quelque chose de simple, mais qui est très joli et qui aura un très beau rendu. Donc ça, je vous explique, hein, si c'est un sale que j'organise en partenariat avec Sabine, Poussière d'étoiles. Mais c'est un sale qui va durer. Là, il y a 4 étapes, mais c'est un sale qui va durer toute l'année, enfin qui va durer 1 an, puisque après il y aura il y aura l'hiver, le printemps, l'été, enfin je sais pas dans quel ordre, mais les 4 saisons, on aura les 4 saisons. Voilà. Et comme ça. Alors du coup, je ne sais pas si quand je l'aurai fini de le broder, si je vais l'encadrer tout de suite ou si j'ai envie d'encadrer les 4 en même temps, je verrai. On n'y est pas encore. Voilà. Mais j'aime bien le petit renard. Ils ont vie, hein. Alors, il y a des filles qui ont un petit peu triché. Elles ont déjà brodé tout le renard parce qu'elles ont envie de le voir en entier. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, il est sur une, moi, pour ma part, il est sur une toile étamine, marbrée grise. Un peu comme la broderie que j'ai terminée qui était en Aïda. Mais là, c'est en étamine. 12,6 fils. Voilà. Ça faisait combien de points, ça? Alors, là, j'ai fait 195 points. Pour le finir, puisque c'était l'étape, je l'avais déjà commencé la semaine dernière. J'ai très soif. Ensuite, alors, on va cocher. Voilà. Et ça, je voulais montrer aussi. Alors. C'est vrai qu'il y a, bon, il y a pas, j'ai pas fait beaucoup de broderie, mais j'ai fait des gros morceaux quand même, je trouve, cette semaine. Alors là, j'ai fait un petit changement. Je vous explique. J'avais prévu pour ma broderie du lundi de faire mon orchidée de chez la Natte. Et je me suis dit non. Je me suis dit non. Je vais faire le Fox de Cottage Garden. Voilà. Donc, j'ai fait mon Fox de Cottage Garden. J'ai travaillé presque toute sa queue. Il ne me reste plus que le petit bout ici, en haut, à faire. Comme je l'avais dit, hein, c'était un peu long, puisque là, il y a toute la branche de feuilles à intégrer dans la queue. Alors, je vous avais dit, je vais broder la branche avant et je ferai le fond après. En fin de compte, j'ai trouvé plus facile de faire d'abord le fond et de laisser les feuilles, la tige avec les feuilles et de le faire après. En fin de compte, c'était plus facile comme ça. Et vous savez quoi? Pas d'erreur. Aucune. Aucune erreur dans la queue. Rien. Nickel du début à la fin. Vous voyez, quand je veux, je peux. Hein. Non, mais je l'adore. Il est trop beau. Alors, comme vous voyez, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, au niveau du renard, il me reste ici. Donc, le mou, là, le blanc à faire. La petite cabane et les petits sapins et les petites étoiles, voilà, les petits flocons de neige, voilà. Il reste plus que ça à faire. Donc j'ai envie aussi qu'elle se termine, cette broderie. Donc je pense que je vais la remettre la semaine prochaine sur la broderie du lundi. Voilà,
Je pense que je vais faire ça. Je me mets le challenge de le terminer lundi qui arrive. On verra si je gagne. Si je gagne, vous me donnez quoi? Si je gagne mon challenge. ouais, je la remettrai donc sur la broderie du lundi. Comme ça, voilà. Alors, j'ai vu une finition sur le groupe de Cottage Garden. Je vais vous le montrer là, peut-être, parce que comme ça, si jamais j'arrive pas à mettre les images, je vais vous mettre tout ça sur ma tablette, avec ma tablette. Mais j'adore. Bon, bien sûr, il faut en broder plusieurs. Alors, hop. Photo. Attendez, hein, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il y a tellement de photos sur mon groupe de broderie. C'est bien, les filles, c'est des grandes pipelettes. J'adore ça. Allez. Alors. Ah, voilà. Alors, cette finition. Elle est faite avec une vieille fenêtre. Mais là, bon, il faut avoir déjà fait les six broderies de Cottage Garden. Mais j'adore cette finition. Regardez-moi ça. C'est vraiment tip-top. Je ne sais pas si j'arrive à le mettre en... Vous voyez? Voilà. Non, mais vraiment, j'adore. Bon, bien sûr, faut trouver la fenêtre aux bonnes dimensions. mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je regardais, il y a la belette. Vous voyez, la petite belette. Je sais pas si je vais pas faire la belette avant de faire la chouette. Je verrai. J'aime bien aussi la belette. Non, mais j'aime vraiment beaucoup cette finition. Donc voilà. Alors, le fox, j'ai fait plus ou moins 800 croix quand même. Voilà. Il est beau, hein? Donc ça, le fox, c'est fait. Ensuite, mon duo Lilypoint. Le Lilypoint chat. Alors, j'ai pas fait énorme dessus et je sais que Céline, je vous mettrai la photo également de Céline. Elle n'a pas fait énorme non plus. Alors, attendez, c'est pareil. Si j'arrive pas à vous en mettre les photos, je vais vous le montrer tout de suite. Parce que j'ai vraiment peur de ne pas savoir mettre les photos demain. Céline, voilà, ici. Voilà. Voilà où elle en est. Vous voyez? Bon, je crois qu'elle a travaillé ici quelque part. Voilà. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ouais, elle n'a pas fait beaucoup plus que moi. Elle a rempli dans les deux lettres là, le A et le S. Et moi, j'ai fait le R de Ronron, ici. Et là, j'ai commencé donc pour le haut.
Voilà. Là, on a vraiment toutes les deux, bon, on ne s'est pas donné le mot, mais toutes les deux, on n'a pas beaucoup bossé dessus cette semaine. Mais bon, c'est pas grave. On fera mieux la semaine prochaine. De toute façon, là, on est plus près de la fin que du début, hein, donc c'est pas très très grave. Du coup, ben, vous avez vu, et donc moi c'est celui-là, hein. Donc je suis là, vous voyez, le R, je suis en train de faire le O, donc là il y aura MA à mettre aussi, voilà. Moi il me reste la ronron, ma ronron à faire et à finir, les petites patounes ici, et terminer la moitié du chat là, qui n'est pas fini. Donc c'est pareil, hein, c'est une broderie qui se terminera avant la fin de l'année. Donc c'est bien. Alors celle-ci. Ouais, j'ai fait 200 croix. C'est pas beaucoup, hein, mais bon. Alors, hop. Oui, la vidéo fera pas 2 heures aujourd'hui. Hein. J'en suis désolée. Mais je n'arriverai pas à faire 2 heures aujourd'hui. Ici, mon duo que je fais avec Letty. Donc c'est alors Letty, pareil, je vais vous mettre les photos avec la tablette. Voilà, ici. C'est le Star Dragon de All Forest. Donc, non, j'ai pas l'image, bien sûr. Donc, l'image, je l'ai là. Je vais vous la montrer. C'est embêtant, ça, aujourd'hui, de faire comme ça, mais j'en suis désolée, hein. J'essaie à chaque fois de vous faire des vidéos un peu carrées, mais là, cette fois-ci, c'est un peu compliqué. All Forest. Non, c'est pas celui-là. Il est là. Donc, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc, moi, je le fais en fil DMC et je le fais sur. J'ai déjà oublié, vous savez, hein. J'ai déjà oublié la toile. Et je le fais sur un lin 16 fils, pardon, French lace permine. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vous avais dit la semaine dernière, hein, bon, là, j'allais terminer la ligne qui est là-haut, c'est ce que j'ai fait. Et je voulais attaquer le dragon. Donc, voilà, j'ai attaqué la tête du dragon. J'avais envie de le voir, ce petit dragon. Donc, je vais peut-être pas le faire en entier en une fois. Je vais faire un morceau du dragon. Je vais revenir là. Là, il y a des fleurs. Non, il y a des autres dragons là, avec une fleur. Là, il y aura des fleurs aussi. Voilà, bon. Je vais faire un petit peu à la fois. Mais là, j'avais envie de voir sa tête. Donc là, la prochaine fois, je vais continuer la tête, ça c'est sûr. Mais très agréable à faire, très sympa. Et je reprends vraiment beaucoup de plaisir à broder sur du lin. C'est vrai qu'il y a des années, des années, des années, je trouvais que le lin, c'était compliqué. Mais depuis que je fais de l'étamine, le lin, ça passe tout seul. Hein. Vraiment, ça passe vraiment tout seul.
Donc, si vous pensez avoir peur du lin, n'ayez pas si peur que ça du lin, parce que bon, c'est vraiment facile aussi, hein, de toute façon. Voilà. J'aime bien, c'est joli. Les couleurs sont jolies. Regardez, là, de loin, ça se voit un peu mieux. Les couleurs sont très jolies. Alors là, moi, j'ai vraiment laissé que des MC. Pas de changement de couleur. Je ne vais pas mettre du variation ici ou du. Non. Je laisse comme ça. Donc ça, je le fais en duo avec Letty. Mais il y a d'autres copinettes qui vont le faire ou qui ont commencé à le faire, mais je ne sais plus qui. Oui, je n'ai pas encore fait la liste des copines qui brodent les mêmes choses que moi. Il faut que je le fasse aussi, ça. Alors, le Star Dragon, j'ai fait, mais alors, les Star Dragons ont fait 250 croix. Par semaine, mais je vais voir avec, je n'en ai pas encore parlé, mais je vais voir avec Letty si on ferait pas plutôt 300 croix par semaine pour avancer un petit peu plus. Letty, tu en penses quoi? Je pense que si on faisait 300 croix par semaine, on n'est pas à 50 croix près, hein, donc voilà. Pas mal. Non, mais j'aime vraiment beaucoup. Bon, là je peux pas dire j'ai hâte qu'il se termine, hein, on vient de le commencer, mais voilà, c'est pour ça, en faisant quelques croix en plus, ce serait bien, je trouve. Ouais, faire 300 au lieu de 500. De toute façon, on fait déjà 300 croix. Avec mon duo avec Sonia, je fais 300 croix sur le nouveau HAED avec Amélie et Ludovic. Voilà, donc je peux faire 300 croix sur le Star Dragon, mais bon, je verrai ce que ce qu'en pense Letty. Je verrai avec elle. Voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors, dans les pe... enfin, les petits. Une nouveauté de rentrée, mais qui était prévue, hein, mais qui est maintenant commencée. C'est le Black Rose. Donc, le Black Rose, je vous remontre l'image. Il est où? Il est là. Allez. Voilà. Le Black Rose, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est le tout nouveau All Forest. Il est magnifique. Je l'adore. Oh là là, qu'est-ce que j'ai craqué dessus sur celui-là. Il est magnifique. Trop, trop beau. Alors celui-là, pareil, je le fais avec Letty, mais aussi avec des filles de mon groupe qui ont décidé de le faire également quand je leur ai montré. Donc on est quelques-unes à le faire. Et donc moi, j'ai commencé par cette partie-là, parce que j'ai commencé au milieu. Donc, ouais, je suis là. Voilà, j'ai attaqué cette partie ici. Voilà. Mais regardez, oh, regardez tous les détails qu'il peut y avoir. Vraiment, c'est trop, trop beau. Vraiment, c'est vraiment trop trop beau. Et toutes ces roses là, il y en a, hein, des roses. Des roses noires. Heureusement, ça casse pas. Bon, qu'est-ce qu'il m'a fait?
Ah, j'ai eu peur. Voilà. Donc, voilà le Black Rose. Donc, c'est le tout nouveau, hein, celui-là. Je pense pas que All Forest a sorti d'autres choses. Ils sortent tellement de choses aussi que je vais regarder après. Je vais juste ouvrir la page. Voilà. Pendant que je vous montre ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je le brode avec des fils Atali de la couleur Onyx. Et j'aime beaucoup également le rendu. C'est vraiment tip top. J'ai pas fait d'erreur. Croisez les doigts. Non, mais vraiment top. Alors, ici, la toile. C'est également un lin. Newcastle Zegart Vintage Dune en 16 fils. Voilà. Mais vraiment tip top. J'aime beaucoup. Donc les fils, c'est celui-là. Hop. Mets-toi bien. Voilà. Il est vraiment superbe. Non mais pareil, j'aime beaucoup. Donc là, on avait fait... Alors, à la base, c'est pareil. On avait dit quoi? 250 ou 300? Je sais plus exactement. Bon, je sais que Letty a dit qu'elle en ferait plus. Et j'ai pas su m'arrêter. J'en ai fait 400. Voilà. J'en ai fait 400. Mais vraiment. Voilà. Mais c'est, vous voyez, ça fait pas beaucoup, hein, 400 croix. Donc, non, mais je. C'est vraiment tip top. Tip top, tip top. Alors ça, c'est tous mes fils, voilà, que j'ai besoin pour faire. Donc, c'est du monochrome, hein, je fais, donc je n'ai qu'une seule couleur de fil. Et c'est très bien. Je sais, ben, je crois que Letty, elle va le faire en deux couleurs. Je crois qu'elle va broder les roses d'une autre couleur. Et puis, ben, les autres filles également. Je vous dis, on est plusieurs, hein, à le faire. Alors, je regarde All Forest. Bon, dans les gratuits, ils n'en ont pas sorti de nouveau. C'est déjà ça. Je regarde, mais non, il n'y a pas de nouveauté. Bon. Et sinon... Ah, si, 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 ils ont fait une nouveauté, tiens. Ils ont sorti une nouveauté. C'est quoi, ça? Ah, ouais, si, si, ils ont sorti une nouvelle série. Alors, on va regarder ça de près. Hein, ça vous intéresse? Mais ça ne doit pas être très grande. Parce que là, le PDF est... Ah, et le site est en promo. Je vous dis ça, je vous dis rien. Le site est en promotion. Alors, on va ouvrir le premier. Alors, la maison forestière des ours. Alors, voilà la première nouveauté. Donc, la maison forestière des ours. Ensuite, là, c'est la maison forestière aussi. Ouais, la maison forestière des ratons laveurs. En fin de compte, c'est pas non, c'est joli, mais c'est pas mon style. Voilà.
Ouais, non, c'est pas mon style. Mais c'est pas, bon, c'est pas grave, hein. Je vous les montre à vous quand même. Raton laveur, si je viens de vous le montrer. Maison forestière, la famille des lièvres. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore un? Maison forestière, l'oie et le renard. L'oie, le volatile, hein. Celui-là est un petit peu mieux. Mais bon, c'est pareil, c'est pas mon style. Donc, voilà. Mais il y en a encore, hein. Là, les castors, la maison forestière des castors. Voilà. Et ensuite, c'est le dernier, la maison forestière, les tops. Voilà. Ouais, bon, c'est joli. Voilà, mais pas pour moi. On peut pas tout aimer, hein. Là, le Pumpkin Quaker, je sais pas si vous l'aviez déjà vu. Alors, j'ai vu quelqu'un qui allait le broder ou qui était en train de le broder, je sais plus qui c'est. Mais ouais, celui-là, vous voyez, c'est un peu plus mon style. Pas mal non plus. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, après, c'est le Black Rose. Ouais. Donc, ça, je vous l'avais déjà montré. Et ça aussi. Donc, les nouveautés, c'est les maisons forestières. Et celui que je viens de vous montrer, donc le Pumpkin Quaker. Voilà. Alors, celui-là, je voulais montrer. Je l'ai mis où? C'est quoi que je viens de vous montrer? Ah, le Black Rose. Alors, je vous disais, donc j'ai fait 400 croix, soit 1,09%. Mon achat ED du mercredi. Alors, mon achat ED du mercredi, j'ai bien avancé, je trouve. Pareil, je vais essayer de vous mettre la photo de avant. Donc c'est en haut, c'est celle d'en haut. Voilà où j'en étais. Voilà. Et voilà où j'en suis arrivée. Voilà. Regardez, on commence à bien voir les fleurs qui sont là. Mais vraiment, j'adore de plus en plus. C'est vraiment magnifique. Et vraiment top. Elles sont vraiment très belles, les fleurs là. Donc, j'ai brodé ça. J'ai avancé un peu par-ci, par-là. Voilà, il y a des points qui ont été refaits également. Là, il manque un point. Tiens, bon, ça y est, je rajouterai. Non, mais j'aime bien celui-là.
Bon, il va être long à faire, hein, je vous l'avais déjà expliqué, hein, c'est un HAED, donc malheureusement, HAED, bon, voilà. Donc le modèle terminé, ça fait ça. Il est où? Il est là. Voilà. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai brodé les fleurs qui sont là. Là, la feuille, elle est commencée. J'ai commencé aussi son petit chignon. Chouette, hein? J'ai fait combien? Je ne sais plus. Ah, bah, lundi. Non, pas lundi, mercredi. Voilà. J'ai fait 742 croix dessus. Je suis arrivée à 9,21%. Voilà, bientôt les 10. Il ne restera plus que 90% à broder. Ça va, hein, j'ai... Excusez-moi. J'ai de l'avance. Ça, je vous l'ai montré. Voilà. Qu'est-ce qui me reste à vous? Ah, mais j'en ai encore plus que deux à vous montrer. Oh, je suis triste de ne pas avoir beaucoup de choses à vous montrer cette semaine. C'est dommage. Déjà fait une heure. Mon sampler que je fais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Voilà, donc on est en train de faire cette case ici. On fait 300 croix par semaine. Voilà, et on brode avec du fil étoile exclusivement. Donc, moi, c'est du bleu marine, du turquoise et du jaune. Donc, le bleu marine, c'est du 823. Le turquoise, c'est du 995. Et le jaune, c'est du 725. Voilà. Mais, voilà. Alors, comme Sonia le disait, on n'a pas l'air d'avancer sur cette case. C'est vrai qu'elle paraît un peu plus longue que les autres, mais ça va. Je suis sur une étamine 12,6 fils bleu canard. Voilà. Et je vous montre également. Du coup, je vous montre tout avec la tablette. Hein, c'est plus prudent. Je me répète, hein, j'arrête pas de le dire, mais moi je suis sûre que vous les aurez vus. Alors, Sonia, où es-tu? Tu es là. Hop. Et voilà où en est Sonia. Donc, elle, moi j'ai commencé en bas, elle a commencé en haut, sa case. Voilà, mais on est kiff-kiff, hein, là, ouais. Donc, voilà. Elle, c'est une toile. Alors, elle est, là, vous la voyez rouge et un peu vif, hein, mais c'est un peu plus. Ça tire un petit peu plus sur le bordeaux clair, c'est couleur rubis. C'est de l'étamine 12,6 fils également. Et elle le brode avec un fil étoile gris clair. Voilà. Donc, on est à 300 croix. On a fait 6646 croix en tout pour l'instant. Et on est à 17,02%. On approche des 20% déjà. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on est à 300 croix. On reste sur 300 croix par semaine. On ne bouge pas. Ce rythme nous va bien. Donc, voilà. Et dernière, alors, le cadre, enfin le cuisse nappe est très grand, mais je
je pensais le rechanger. Je me disais, je vais remettre un taille normale. Oui. Ma tête, le plus snap. C'est un 40-40, enfin 49-49, je ne sais plus. Donc voilà. Ça, c'est quoi? C'est le HAED que l'on appelle le hibou du savoir, que je fais en duo avec Ludovic et avec Amélie de la chaîne Dessine et Diamant. Donc moi, j'ai commencé par le bec. Voilà. Allez, oh là 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 là, ça m'énerve cette lumière. Voilà, j'ai commencé par le bec. Ah, mais je vous l'ai mis à l'envers. Ouais, dans ce sens-là, c'est mieux. Excusez-moi. Hein. C'est le début, donc on ne voit pas encore bien dans quel sens on est. Ouais, donc là, c'est le bec. Moi, j'ai voulu commencer par le milieu. Bon, voilà, ça c'est fait. Fifi, merci. Ouais, j'ai voulu commencer par le milieu, comme ça c'est top. Alors bah, j'ai fait 300 croix, voilà, parce qu'on s'est donné une moyenne de 300 croix par semaine. Ça nous en fera 1200 par mois. On verra si le rythme nous convient, si le rythme sera bien comme ça tout du long. Voilà, mais super agréable à faire et j'aime vraiment beaucoup aussi. Le début est vraiment très prometteur. J'ai hâte de continuer puis de voir sa bouille arriver. Donc ça, je vais vous montrer la photo. Alors, je l'ai mis. Ah, elle est là. Hop. Allez. Voilà. Donc, voilà notre petit hibou du savoir. Donc, moi, je suis ici. Voilà. Je vais vous montrer... où en sont, enfin, on vient tout juste de le commencer, hein, donc vous ne pouvez pas encore voir vraiment beaucoup beaucoup. Alors, on a beaucoup papoté tout à l'heure. Ça, c'est celui d'Amélie, donc moi, c'est son début, hein. Elle a fait 310 croix. Elle a débordé un petit peu, comme elle a dit, elle voulait terminer son fil. Voilà, donc elle a commencé par le milieu également. Et Ludovic, il en est là. Voilà. Alors lui, il a commencé par la bordure noire. Voilà. Donc là, bah, il va se taper du noir là, pour l'instant. Mais ça va. Hein, c'est fini. Ça va? J'aime bien. Tu aimes? Donc voilà. Non, mais j'ai hâte de l'avancer, de bien l'avancer. Parce que c'est vraiment top. Alors, je n'ai pas fait cette semaine. Du coup, j'ai pas fait mon log doc sampler. Mais bon, comme Sonia m'avait dit. C'est pas important, hein, c'est pas grave, mais je crois que j'ai les photos des filles, enfin, peut-être pas tout le monde là. Ouais, ça c'est Amélie. Voilà, ça c'est ce que Amélie a fait sur le Languedoc Sampler. C'est le Two Men's Maurice. Voilà. Qui j'ai encore la photo? C'est tout? C'est tout, c'est tout?
Ben, j'ai pas d'autres photos. Ah, ah ben non, les filles n'ont pas mis d'autres photos. Celle-là, je vous l'avais déjà montrée. C'était Geneviève, mais elle a dû avancer hein, depuis. Voilà. Elle le fait. Et ce qui est gris, c'est un fil étoile. Voilà. Donc, celui-là, moi, j'ai pas avancé du tout. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai pas fait non plus bah, l'aéron de chez la Nart, l'orchidée, la Nart également, et le hibou que l'on m'avait offert. Voilà. Mais bon, vous avez vu, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres broderies, j'en ai encadré une, j'en ai terminé une que j'ai ressortie du tiroir. J'ai encore normalement d'autres broderies comme ça qui sont pas finies, qui sont commencées depuis très 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 longtemps. faudrait que je les ressorte et que j'en pioche une au hasard pour l'appareil pour la finir. Mais ça, je verrai. Il faut que je refais le point sur les broderies non terminées depuis des années. Ah, Fifi, tu peux bouger tes fesses. Ouais, il faudrait que j'en ressorte et puis que je pioche de temps en temps. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Ben oui, déjà, hein. C'est dommage, mais bon, j'ai pas fini de parler, hein. J'ai pas fini. Alors, mon challenge, vous savez que je fais un challenge toutes les semaines, un petit challenge perso. Je me prévois de. Je suis sur la chaise à chouchou, il y a deux coussins, ça va J'ai pas l'habitude. Je me fais un petit challenge toutes les semaines, c'est-à-dire que je me prévois de broder au minimum 3000 croix par semaine. Voilà, et je vois du coup, quand je fais la vidéo, si j'y suis arrivée, plus ou moins. J'arrête, je suis désolée, j'arrête pas de bouger de partout aujourd'hui. J'ai fait 4195 croix. C'est pas mal. Alors, par contre, je n'ai pas. Ah bah oui, bah je ne vous avais pas fait le point du mois. Alors, le point du mois d'octobre, je vais vous le faire. Du coup, j'aurais dû le noter avant. J'ai gratiné. alors, on va se calculer ça. Voilà. Donc le mois s'est terminé le 31. Voilà. Donc hop. 450. Voilà. Alors, la semaine dernière, 4596. La semaine d'avant, 5037, j'avais bien bossé là. Hein. Il y a des semaines hein, avec, il y a des semaines sans. Hein. Là, 4485. Et ici, là, j'ai fait une petite semaine. 3000. Ah oui, mais il faut que j'enlève une journée. Alors, hop. J'avais fait 3435. Oh, attendez. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. 85 plus. Voilà, j'ai oublié de mettre mon plus. Hélène. 950. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai fait 19495 croix. Alors, attendez, je me le note. Octobre. 19498 croix.
Et en septembre, j'en avais fait. Ah ouais, quand même. J'en avais fait 11 940. Donc, moins 11 940 égale. J'en ai quand même fait 7 558 de plus par rapport au mois dernier. Bravo, c'est bien. Non, mais j'aime bien. Comme ça, bah, je vois. C'est vrai que bon, il m'est déjà arrivé de voir avec une ou deux brodeuses, mais qui sont vraiment. Comment je vais expliquer ça sans dire de bêtises? Traditionnaliste, mais je ne veux pas dire qu'elles font de la broderie traditionnelle, elles font du point de croix, mais mono en cours. Et elles ne calculent pas, tiens, j'ai fait autant de croix aujourd'hui ou quoi, elles trouvent que ça ne sert à rien, que la broderie c'est un plaisir, mais moi même en comptant mes croix, c'est un plaisir. Voilà. Compter mes croix, c'est ça me fait plaisir à moi. Donc voilà, mais puis chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oh, j'en ai plus. Donc voilà. Je suis contente. Voilà. Mais je crois que le mois d'avant, j'en avais fait plus. Encore, je crois. Si je me rappelle. Ah non. Non, non. Non, 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 non. Ah si, au mois d'août. J'en ai fait 20 691. Bon. C'est un peu kiff-kiff. YouTube. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau cette semaine? Alors, on va se mettre sur son histoire. Ah non, 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 attendez, je vous fais YouTube après. Pardonnez-moi. On va faire la roue. Alors, donc on est en novembre, voilà. Donc j'ai déjà mis mes obligatoires sur mon carnet, c'est-à-dire le Sampler 124 que je fais avec Sonia, le Star Dragon que je fais avec Letty, le Long Dog Sampler que je fais avec Sonia, Amélie, Geneviève. Sonia, Amélie, Geneviève, oui, c'est ça. Le Lily Point Chat que je fais avec Céline, le Hibou du Savoir que je fais avec Ludovic et Amélie, et le Black Rose que je fais avec Letty. En même temps, j'ai déjà noté également mon Lily Point Infirmière et mon ABC Automne, mais l'ABC Automne, c'est pour le commence, ce ne sera pas pour cette semaine, ce sera pour la semaine d'après. Donc voilà, parce que c'est pour le 10. Le 10, c'est le dimanche. Donc pour moi, c'est une nouvelle semaine le dimanche. Mais je l'avais noté quand même, mais c'est pas grave. Et j'avais noté déjà aussi mon challenge de 3000 croix. Voilà. Alors, on va d'abord tirer au sort le HAED du mercredi. Ici. Donc vous savez que je fais 3 HAED, dont un faux, puisque c'est pas de la marque HAED, c'est ma Steampuck. Sinon, il y a le hibou du savoir, mon paysage et la japonaise. Allez, qu'est-ce qui va me sortir? Ah bah, la japonaise. Voilà. Donc, le HAED du mercredi. Voilà, japonaise. Alors, pour le lundi, je vous ai dit, je vais mettre d'office le Fox, parce que ben, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Donc, je mets d'office mon Fox, mon renard, pour le lundi. Bah, du coup, il ne va pas me rester grand-chose à tirer. Hein. Là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en ai plus beaucoup. Bon. Je ne vais pas en tirer trop.
En sachant, pas la semaine qui arrive, mais la semaine après, il y a le sale anniversaire, donc c'est le sale de mon anniversaire qui commencera le 12 novembre. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah bah, le hibou. Ah non, le Languedoc Sampler. Ah bah, j'ai oublié de l'enlever celui-là. J'ai oublié de retirer les obligatoires. Enfin, pas, j'en ai retiré, mais pas tous. Donc, celui-là. Ah, le colibri. Le colibri. Voilà. L'aquarium. Donc ça, c'est de chez Lucas. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'en tire encore 2. Je préfère ne pas en tirer trop cette semaine et faire tout ce qui est prévu. On va pas être trop gourmand. Mais ce qui a été tiré cette semaine ne ressortira pas la semaine prochaine. Oh, tiens, j'y pensais plus à celui-là. Je vous jure, je pensais plus à celui-là, l'automne Quaker. Ah ouais, je l'avais complètement zappé, lui. Oh là là. Ah ouais, je l'avais zappé. Oh là là. Oui, c'est ça, hein, d'en avoir beaucoup à faire. Au bout d'un moment, voilà. Et un petit dernier pour la route. Ah bah le hibou. Voilà. Donc ça, ce hibou-là, c'est celui que qu'une abonnée m'a offert. Voilà, le hibou. Donc ça, alors, je vous rappelle, hop, on va le cacher. Et donc, pour la semaine prochaine, je laisse la roue telle quelle. J'ai retiré du coup ce qu'on vient de choisir pour pas que la semaine prochaine il ressorte. Je vais faire comme ça une semaine sur deux pour pas avoir toujours les mêmes broderies qui sortent. Par contre, il faudra que je le mette à jour, donc enlever les obligatoires parce que bah, ça sert à rien qu'ils y soient. Donc, en obligatoire, je vous rappelle, je fais le Sampler 124, le Star Dragon, le Languedoc Sampler, le Lily Point Chat, le Hibou du Savoir et le Black Rose. En plus, le Lily Point Infirmière, puisque ça, c'est un cadeau que je veux faire, donc je le mets toutes les semaines automatiquement. Et la roue m'a tiré au sort. Le colibri de poussière d'étoile, l'aquarium de Lucas, le Autumn Quaker et le Hibou. Le HAED du mercredi, ce sera la japonaise. Et la broderie du lundi, ce sera le fox. Voilà. Bah écoutez, je suis. Hein, c'est déjà pas mal. Il hein y a de quoi faire. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hein, 13. 13. Oui, on va rester sur 13. Vous êtes superstitieuse? On en ressort un petit au cas où. 13, ça fait, bon, il y a 7 jours. Ça m'en fait 2 par jour. Donc, mais à part que lundi et le mercredi. Non, on reste sur 13. On reste sur 13. Voilà. Voilà donc ce que je vais faire la semaine prochaine. Allez. Maintenant. YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait sur YouTube? Alors.
Mon historique, il est là. Hop. Alors, dimanche, j'ai regardé la vidéo des loisirs de Letty, avancée de ma première roulette et nouvelle organisation. Voilà, donc elle a montré bah, ce qu'elle était en train de faire et puis bah, justement sa nouvelle organisation. Et elle tire aussi maintenant à la roue ce qu'elle va faire sur la semaine. Mimic et ses loisirs. Elle nous montre toutes ses, elle vous montre ses grandes toiles de Pointe-Croix. Elle en a quelques-unes. Hein. Bon courage à Mimic pour faire tout ça. J'ai regardé. Alors, pardonne-moi si je ne sais pas bien lire ton pseudo. Dan Lissine, voilà. Elle nous a fait son vlog loisirs créatifs numéro 20. Dépédac, Kiki la petite sorcière et Dépé Action, Mini Mickey en Pointe-Croix, etc. Donc elle nous a montré également toutes ses avancées, que ce soit en Dépé ou en broderie. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Sabine, la chaîne Sabrode. Et un jour, une toile focus sur mes fleurs de magnolia. Magnolia. Donc, elle est en train de faire une grande broderie. Avec, bah, comme le thème dont le titre est noté, sur les fleurs de Magnolia. Magnolia, oh, c'est pas facile à dire ça. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Alors, je l'ai regardé, mais j'ai pas fini de la regarder, mais je vous la dis quand même. Didine, Hobby, débutons ensemble cette magnifique toile, donc du Pointe-Croix. C'est si je mon souvenir est bon, c'est une toile en perles. Voilà. Mimic et ses loisirs encore, présentation d'une superbe toile. Voilà. Pareil, elle nous montre une jolie toile. Là, ça, c'est qui? Non, 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 ça c'est autre chose. Mes petits loisirs créatifs, elle montre ben, du coup sa semaine créative, hein, tout ce qu'elle a fait pendant la semaine. Les croix mousquetaires. Alors, je regarde de temps en temps, c'est Laurent, qui commence à être bien connu, hein. Je regarde, mais j'oublie, enfin j'oublie. Il y a des notifications que je n'ai pas régulièrement. Alors, je pense que c'est parce que quand on ne regarde pas la chaîne régulièrement, on n'a pas automatiquement les notifications. Mais là, je l'avais eu. Donc, j'ai regardé. Il a une production incroyable niveau broderie. Des modèles magnifiques. J'adore ce qu'il fait. Voilà. Vraiment tip top. Donc ça c'est Laurent, les croix mousquetaires. Kiki la petite brodeuse. Oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos cette semaine. Kiki la petite brodeuse. Donc c'était son Floustube octobre 2024. Pareil, eh ben, elle nous montre tout ce qu'elle a fait, hein, comme d'habitude. Ensuite. Ça non. Ah oui, j'ai regardé les passions créatives de Mamounette. Donc c'est son tout premier Floustube. Sa chaîne est toute nouvelle. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous y abonner. Elle nous avait fait deux ou trois vidéos déjà avant. Et là, elle a fait son tout premier Floustube. Donc elle montre ben, tout.
toutes les broderies qu'elle a fait. Il y en a beaucoup qu'elle fait que moi j'organise en salle. Voilà, elle est sur mon groupe d'ailleurs, donc ceci explique cela. Et j'ai regardé les loisirs de Mimi, donc son bilan de septembre, le Floustube numéro 10. Voilà, donc pareil, elle montre tout ce qu'elle a fait pendant le mois de septembre. Donc là, j'ai regardé peut-être la broderie un peu hors, la broderie, la vidéo peut-être un petit peu en retard, mais je ne sais pas. Ensuite, alors par contre, j'ai prévu cette semaine, alors je me suis déjà mis des vidéos à regarder, il y en a déjà pas mal. Vous produisez beaucoup de vidéos en ce moment, les filles, c'est super. Alors, j'ai prévu de regarder la vidéo de Sarah et ses passions, jour 31, calendrier d'Halloween. Alors, j'ai pas vu les autres, mais bon, je regarderai celle-là et puis je regarderai les autres par la suite. J'ai prévu de regarder Claudette et ses loisirs, mes avancées du mois d'octobre, donc en DP et en point de croix. Non, ça n'a rien à voir. Mimique et ses loisirs, j'ai prévu de regarder sa vidéo. Je commence le défi des anges des saisons et de Noël. Donc ça, c'est un défi qui vient du groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà. Donc elles vont broder les dames celtiques. Voilà. Les passions de Passy, c'est dans ma liste de vidéos à regarder. Donc, c'est son Floustube de novembre. Voilà. Ensuite, les folies de Mimi, Broderie & Co. Pareil, je vais regarder. C'est le début d'un nouveau projet, je pense. Le Chapelier fou. Je crois que c'est ça, mais bon, comme j'ai pas encore regardé la vidéo, je ne peux pas vous donner de détails. J'ai prévu également de regarder la vidéo de l'eau demoiselle, son calendrier d'Halloween. Entre autres, parce qu'elle a mis d'autres nouvelles vidéos aussi que je n'ai pas encore regardées. Et j'ai prévu, c'est déjà pas mal hein, tout ça, et j'ai prévu de regarder la vidéo de Lunix et ses loisirs, blabla point de croix et tag dilemme. Donc il y aura un tag. Voilà. Écoutez, quand j'aurai déjà vu tout ça, brodé tout ça, bah, ma semaine aura été bien remplie. Alors, sur ma chaîne cette semaine, vous avez pu voir ou vous pouvez voir vidéo. Alors, ici, lundi, je vous ai mis une vidéo unboxing de la boutique PinceauMouet et de la boutique VIP Crostiche. Mardi, je vous ai mis. J'avance avec vous ma broderie The Fox de Cottage Garden, justement. Je crois que c'est mercredi, oui. Je brode une broderie oubliée et je papote avec vous. Donc, c'est ma Isabelle Vautier. Je vous ai fait un haul Diamond Painting Temu. Tuto, j'encadre ma broderie La Grenouille de poussière d'étoile. Ensuite, je prépare ma toile pour ma broderie Black Rose d'Old Forest. Donc là, cette semaine, pareil, vous aurez une vidéo avec mes premières croix que je pose justement pour mon Black Rose. C'est celle-là que j'ai voulu faire aujourd'hui. Et bah, il n'y avait pas moyen. Elle n'a pas voulu me la prendre, donc, mais c'est pas grave. Je la referai. Et vous avez en dernier Diamond Painting. Chouchou fait des décos pour le sapin de Noël.
Voilà, celle-là aussi, j'ai eu des difficultés à le mettre en ligne parce que j'ai mis des musiques dessus. Et une fois que j'ai réussi à le mettre sur YouTube, je l'ai mis en public, j'ai écouté tout de suite, aucune musique. Donc j'ai arrêté, j'ai remis en privé, j'ai effacé et j'ai refait la vidéo. Et là, ça marche. Pas chercher à comprendre, hein, mais voilà. En plus, cette vidéo, je vous l'ai fait avec des musiques de Noël. Voilà, lundi, vous aurez également, là, elles ne sont pas encore en ligne, mais vous aurez deux vidéos unboxing. Une de la boutique DP Club et une de la boutique New Craft Day, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous voyez, vous avez de quoi regarder. Si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos cette semaine, il y a de quoi regarder également. Et puis, ben, vous aurez celle-ci. Voilà. 1h40. On est presque aux 2h. Ben voilà. Mais écoutez, niveau tricot, ben, il n'y aura rien cette semaine. Je vais me rattraper. Oh, en plus, ouais, 10h30. D'habitude, je finis à 11h30. oui, je vais me rattraper au niveau tricot de toute façon cette semaine. Puis voilà. Oui, ben oui, c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de choses, enfin que j'ai fait un peu moins. Mardi, j'avais fait mon atelier avec ma petite fille. On a rangé tout l'atelier. Mon Dieu, tout ce qu'on a retiré, qu'on a jeté, qu'on a mis de côté pour donner, pour vendre, pour... Oh là 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 là, c'était... Mais maintenant, je peux rentrer dans ma pièce. Je peux danser. et du coup, bah, j'ai eu très très mal au dos aussi à cause de ça. Et voilà. Mais bon, ça va mieux. Mais bon, depuis 20 ans, hein. Il y a des choses qu'on peut plus faire hein, maintenant. Voilà, bah écoutez, désolée que la vidéo était un peu plus courte que d'habitude. Je me rattraperai la semaine prochaine, promis juré. Là, je vais, j'espère donc terminer mon Fox. Excusez-moi. Ouais, j'espère terminer mon Fox. Ça sera encore une broderie en moins de fait. À faire plutôt et j'essaierai dans la semaine je verrai que je ressors toutes enfin, mes broderies oubliées et pas cette semaine mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après je verrai en sortir une au hasard sur laquelle je pourrais retravailler un petit peu de temps en temps pour l'avancer. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Hein. Les pouces, ça permet à la chaîne de se faire connaître, hein, à remonter sur la page d'accueil également de YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis à peu près à jour, à part les commentaires d'hier et d'aujourd'hui, je pense, mais normalement, je suis à peu près à jour dans mes réponses de commentaires. Donc, n'hésitez pas à en mettre, ça fait toujours plaisir également. Si vous avez envie de partager ma vidéo ou certaines de mes vidéos, n'hésitez pas à le faire non plus, hein, au contraire, hein, ça fera connaître à d'autres personnes. Puis voilà, mais si vous avez des idées de vidéos, pareil, n'hésitez pas. Bon, j'essaye de temps en temps d'en faire une que vous me demandez. Voilà, là on m'en a demandé une sur mes rangements de fils. Donc je vais la prévoir. Je vais essayer cette semaine si je peux pour vous la faire. Et voilà. Bah écoutez, on s'est tout dit pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.
Thank you.